qui stagne autour de 80 dollars, oui, je dis que ce pays favorise et est un bienfait pour l'économie mondiale. Pour l'économie mondiale. Donc je pense que l'Arabie Saoudite est un ami parce qu'elle favorise le commerce, elle favorise l'économie des pays occidentaux, et je pense qu'on peut s'appuyer sur eux pour résoudre la question israélienne-palestinienne, on peut s'appuyer sur eux pour résoudre la question iranienne, et on peut s'appuyer sur eux pour un peu stabiliser le Proche et le Moyen-Orient. Donc je pense que l'Arabie Saoudite, qui a parfois été un facteur de déstabilisateur, un facteur qui, entre guillemets, parfois a eu, comment ça s'appelle, une époque trouble avec le terrorisme. On se rappelle que, naturellement, il y a beaucoup de... Les assaillants du 11 septembre étaient en majorité saoudiens. Mais je crois qu'il y a une inflexion, qu'il y a un changement. Et naturellement, quand il y a un changement, une inflexion, et un pays qui veut, qui participe à la stabilité mondiale, qui veut avoir une nouvelle approche sur la question israélo-palestinienne, donc résoudre le problème proche-oriental, qui veut résoudre le problème iranien, parce qu'il faut le savoir, l'Iran est destructeur. Bruno, reste avec nous. Je vais donner la parole quelques minutes avant qu'il soit coupé à Pierre. Je vais te reprendre. Reste là, Bruno. Oui, Pierre, qu'est-ce que tu en penses concernant les propos de... On a traité les auditeurs de la radio d'un idiot, je crois, mais... Moi, je l'ai averti, je l'ai répondu. Ça m'échappe, parce qu'il est un idiot, il n'a pas l'air d'avoir compris ce que j'ai raconté. Pendant que c'est pas compliqué ce que j'ai raconté. Il n'a rien dit de très compliqué, je crois. Non, il y a deux sortes d'arabes, la dame de l'Israël et la bande électale. La bande électale dépend des pays, il y a peut-être une vingtaine, autant que le pays arabe, probablement d'arabes différents dialectales. Et j'ai dit simplement qu'en Europe, en France, il y a surtout trois sortes de personnes d'origine arabe, arabes théoriquement, parce que souvent ils sont d'ailleurs berbères ou quoi, et pas tellement arabes, ils sont maghrébins. Donc il y a des Algérie, Maroc et Tunisie. On peut réaliser les choses en France de façon à leur apprendre la culture à tout le monde et l'arabe dialectal à chacun des trois groupes, chacun de leur pays. Voilà. J'ai réalisé très sorcier, j'ai l'impression. C'est pas chinois, je peux parler chinois, j'espère. Non, c'est bon. Alors, Arabie Saoudite, c'est un ami, Pierre? Apparemment, l'arbre ici est en train d'évoluer vers plus de modération. J'ai appris religieusement, plus de modération. Mais l'histoire de Khashoggi, que tout le monde le critique. Effectivement, maintenant, ils semblent s'approcher d'Israël, apparemment, parce qu'ils ont un même ennemi commun, et comme on dit que l'ennemi des ennemis est mon ami, donc, en quelque sorte. Donc, je veux dire, ils sont venus un peu, plus ou moins, copain-copain d'Israéliens, je crois. Enfin, je sais pas si c'est vraiment très sérieux, si c'est solide ou quoi. Mais apparemment, ça va être le cas. Et bon, maintenant, le problème... Oui, il est parti, il est coupé, c'était coupé, tu sais, après 30, quelques minutes. Oui, Bruno. Oui, alors écoutez, oui, donc j'ai terminé mon intervention, je disais que donc l'Arabie Saoudite, oui, est un pays ami au sens économique, un pays ami au sens de résolution de la question proche et moyen-orientale, un pays ami au sens où elle pourrait... Bruno. Oui, oui. Alors tu ne sais pas que Khashoggi, Ahmad, Jamal Khashoggi, avant Mohammed bin Salman, avant lui, il était un ami. Si tu prétends être ami, ça veut dire être bien avec l'Occident, l'Israël et tout ça. Tu sais qu'avant, une grande partie des gens que lui, il avait arrêté, était d'accord que l'Arabie Saoudite officiellement il a des relations avec par exemple Israël, y compris Khashoggi, Jamal Khashoggi. Il y a ses écrits que tu peux lire actuellement, parce que c'était un journaliste. Il était 100% contre l'Iran, la République islamique d'Iran. Il était contre Hezbollah libanais. Il était contre les Houthis. Il était contre tous ces gens-là. Il était pour le rapprochement avec Israël, surtout. Tu comprends? C'est-à-dire Khashoggi, avant Mohammed bin Salman, il était ce que tu désires d'être. Voilà. Je t'écoute, allez-y. Écoutez, c'est très intéressant. Vous dites... que M. Khashoggi, enfin, au fond, partageait l'avis du royaume et de l'héritier Mohammed Ben Salman. Maintenant, écoutez, monsieur, si vous savez, moi, je crois, personnellement, je ne suis pas un dictateur, mais je crois que quand on est citoyen d'un pays,
on se doit d'un respect pour le monarque. Voilà. Je crois, c'est-à-dire que c'est du respect. Je crois qu'il y a un article dans la constitution saoudienne qui s'appelle le crime de lèse-majesté, qui fait que quand on est quelqu'un qui critique à outrance, et quand on naturellement on fait des critiques de bas œuvre où on le compare à un dictateur, à, voilà. Donc je pense qu'il a comparé M. Mohamed Belsalman à beaucoup de choses, etc. Je pense que bon, Mohamed Belsalman n'a pas apprécié qu'une personne le critique à ce point et voulait avoir une explication face à face, parce que c'est bien de critiquer parfois par voie de médias, mais parfois on veut avoir une discussion face à face. Et d'après M. Abbassi, parce que vous, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais bon, j'ai vu la formation de Reuters, donc le canal d'information. Les faits donc sont absolument pas que les Saoudiens ont tué la personne, c'est pas du tout ça. D'après les informations que j'ai, ce serait plutôt le fait que M. Khashoggi a crié au sein de l'ambassade parce que les Saoudiens voulaient le prendre et l'emmener de force en Arabie Saoudite. Donc il devait s'expliquer devant le roi, enfin devant le prince héritier, de son attitude, de pourquoi il est critiqué autant, etc. Et naturellement, ça a dégénéré et il y a eu une bastonnade qui a dégénéré. Bon, voilà, c'est ça la version. Hein. Je vous assure, M. Abbassi, j'y crois fermement, j'en suis persuadé. Maintenant, je vous dis juste que voilà, après c'est un équilibre de pouvoir, que dans certains pays, voilà, il faut parfois se taire sur certains comportements. Je pense que ça fait partie également du respect qu'on doit avoir au monarque, notamment quand on habite en Arabie Saoudite. Voilà. Bon, après ça, je sais que ça peut être contesté, c'est contestable, mais moi, pour moi, il doit avoir un respect du prince héritier, de la famille royale, quand on est dans un pays. Quand on est dans un pays, on doit avoir un respect. Ça ne veut pas dire qu'on ne critique pas. On peut critiquer, mais on doit avoir un respect. Je pense que ce respect-là, M. Khashoggi ne l'avait pas. Voilà. Deuxième point. Donc voilà, deuxième fois, tu sais, Bruno, je veux rajouter, voilà, quelque chose comme quoi c'est possible, parce que Mohamed Ben Salman, actuellement, il a beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Autour de lui, c'est sans aucun doute, on peut dire, que lui, il n'est pas tellement con et imbécile d'ordonner de tuer quelqu'un ici, en Istanbul, parce qu'il savait très très bien que ça va tourner contre lui. Je crois que l'assassinat, ce que tu viens de dire, en plus, je veux confirmer, c'est correct. Moi aussi, j'ai entendu qu'il y avait il criait, parce que au départ, on voulait le ramener en Arabie Saoudite. Mais après, on l'a tué, quand il a résisté, on l'a tué. Mais je crois que cet assassinat s'était fait exactement contre Mohamed Ben Salman. Puisque Mohamed Ben Salman, c'est un type qui pense sans pouvoir européen. Mohamed Ben Salman, c'est quelqu'un que plusieurs fois même, il a parlé avec le guide iranien, par les médias, pas directement. Il a dit, l'islam, vous voulez l'islam, gardez-le. Moi, je ne veux pas de ça. Nous, on ne veut pas de ça. On veut vivre. On va avoir des casinos, on va avoir des discothèques, on va boire, on va chanter, on va danser. Il a dit ça. Et plusieurs d'autres fois, il a dit, moi, je veux retourner mon pays à l'époque de Shah d'Iran. L'époque de Shah d'Iran, c'était patate. Alors, quand il dit ça, quand il fait certains actes, imaginez-vous que même les gens qui sont autour de lui, ils deviennent contre lui. Même peut-être son garde-corps, que c'est un religieux, parce que tous ces gens-là sont religieux, tous les gens-là, comme tu viens de dire, ignorants. Les ignorants, toujours, sont des intégristes. Alors, ils ont fait ça, ils ont tué ça, ils n'ont pas pensé que ça va jouer contre lui, mais il n'est pas tellement con de ordonner de le tuer, parce qu'il n'y a pas de l'ordre. Il y avait, on voulait le ramener, il n'a pas voulu, on l'a tué, après on l'a coupé en morceaux. C'est-à-dire, ça aussi, ça peut être un accident, contre Mohamed Ben Salman. Concernant ce qui est Mohamed Ben Salman, il est progressif, anti-islam politique, anti certaines idées fanatiques, on doit le dire. Surtout, je ne sais pas, Bruno, Pierre et mes amis qui vous m'écoutez, vous avez entendu ça ou non? Je ne l'ai pas dit au départ de mon émission, je voulais vous dire. Il a un copain, Mohamed Ben Salman. Il s'appelle Turki Addahil. Turki Addahil, il est patron de la chaîne Al Arabiya. Al Arabiya, c'est une chaîne internationale de l'information
dans la langue arabe et dans plusieurs, en anglais aussi, il y en a, etc. Alors, Turki Ardakhil, qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière? Ce que tu viens de dire, Bruno, c'était une partie de ses propos. Il a dit, les Américains, ils vont nous embêter. Trump, il va m'embêter. Parce que Trump, déjà, plusieurs fois, il a dit, si on laisse Arabie Saoudite, il va être disparu dans 15 jours, 20 jours, etc. Il a dit des choses comme ça. Et ces gens-là, là-bas, ils l'écoutent, ils entendent. Voilà. Il a dit, Turki Ardakhil, il a dit, voilà, l'Amérique, qu'est-ce qu'il veut? Il va nous embêter. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers l'Iran. On va faire des accords avec l'Iran. On va aller vers Hezbollah libanais, on va faire des accords avec les Hezbollah libanais. Nous, on va finir la guerre à Yémen, on va donner le pouvoir à Houthi, ok? Mais dans tous ces... Et on va monter... Ah, ça aussi, il a dit, le pétrole va arriver à 100 dollars, à 200 dollars. À 200 dollars, le pétrole va arriver. C'est ça qui Trump, il veut. C'est-à-dire, c'est porte-parole de Mohammed bin Sultan qui parle. Turki Ardakhil. Quand vous cherchez le nom de Turki Ardakhil, patron de l'Arabie, un copain de même famille que Mohammed Ben Salman, vous pouvez constater que ces propos-là s'étaient lancés par Turki Ardakhil comme porte-parole d'héritier d'Arabie Saoudite. C'est-à-dire que c'était une menace assez forte après cette histoire de Jamal Khashoggi, bien sûr. Et c'est pour ça qu'après ça, Trump, il a dit, ah, ok, les explications sont satisfaisantes, mais les autres n'ont pas accepté. Les autres n'ont pas accepté, puisque cette menace, actuellement, je vais vous dire, le monde entier est avec l'Iran. La République islamique Iran, malheureusement,